Et le miné avec la catégorie des poids mi-lourds entre 75 et 81 kilos. Le champion sortant est Ambroise Préra. Et le record de ceinture est détenu dans cette catégorie par John Dovey, qui a été 7 fois champion de France. Le premier à se présenter à vous est affecté au coin bleu, sociétaire du Boxing Club Édinois Pas-de-Calais, comité régional des Hauts-de-France. On accueille Gaëtan Ntamwe. C'est la nouvelle génération dans cette catégorie. Gaëtan Ntamwe, il a 24 ans, il nous vient d'Hénin-Beaumont, comme un certain Mathieu Modderlic, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, avec qui il a mis les gants des dizaines et des dizaines de rounds. Cette expérience qui lui a fait vraiment passer un cap. C'est un garçon qui a débuté la boxe il a seulement 5 ans et qui a déjà fait face au meilleur au monde, Julio Lacruz, le Cubain, où il avait fait un très très beau combat face au champion olympique, multiple, quadruple champion du monde. Et ce soir, c'est l'occasion de s'affirmer comme le numéro 1 dans sa catégorie. Il aura face à lui un ancien, Bakary, qu'on connaît, qui est là depuis longtemps et qui a conquis lui aussi plusieurs ceintures, donc ça va être un vrai combat. Incroyable duel de génération auquel nous avons le plaisir d'assister avec Bakary Diabira, 29 ans, triple champion de France. C'est sa 6e finale. Il avait été battu assez lourdement par l'Irlandais Joe Ward il y a près d'un an. Multiple champion d'Europe, multiple médaillé mondial, battu par KO. Il avait pensé un temps arrêter la boxe. Il a retrouvé l'envie, la flamme qui le pousse aujourd'hui pour sa 6e finale dans un championnat de France. L'âme de compétiteur, ça te pousse à revenir sur le ring. Et c'est ce qui arrive à Bakary, tout compétiteur a ce goût et a besoin du ring, et c'est ce que Bakary a fait, et aujourd'hui il se retrouve en finale. Et là il y a les deux boxeurs, mais il y a aussi deux grosses écoles, avec l'école à Mohamed et la famille Nishan, et à l'école de la VGA Saint-Maur avec Willy et la famille Gomis. Donc ce sont des grosses écoles, ce sont des hommes qui ont l'habitude de former des boxeurs et des champions. Nordin Oubali vient de d'Hénin-Beaumont avec la famille Nishan, c'est eux qui l'ont formé. Donc aussi c'est bien de retrouver ces écoles pour les finales championnat de France, et ça va être une finale très explosive. Sa 6e finale élite senior, successivement vainqueur de la Coupe de France. Gaëtan, il a connu, on va pas dire le succès, mais c'est vrai qu'il a rencontré des grosses têtes d'entrée. Il a commencé à la boxe à 19 ans. Aujourd'hui, il a boxé, on va dire, les meilleurs, dont le meilleur. Donc pour lui, il a aussi tout à prouver, parce qu'il rêve aussi de cette qualif olympique. Mais il va falloir faire une grosse montagne qui est Bakary Diabira. Après, comme tu arrives, comme les Tambaoué, tu viens avec beaucoup de motivation, tu as peur de personne. Et c'est vrai que le combat avec Lacruz, ça a été un combat difficile, qu'il a très bien géré, mais c'est aussi un combat qui lui a donné de la confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le retrouve ici. Et, en finale. Ouais, c'est une défaite qui l'a fait grandir face à Lacruz, qui est un des monstres sacrés, qui est un extraterrestre de la boxe mondiale, quadruple champion du monde et quintuple, non, simple champion olympique, mais c'est déjà pas mal. On s'enflamme, pour l'instant, on en perd ses mots. Mais pour ce combat, c'est vrai que très peu donné cher de sa peau. Allez, c'est parti pour le dernier combat de cette soirée, catégorie des poids mi-lourds. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et là, il y a beaucoup de choses à prouver des deux côtés, au carrefour de leurs destinées respectives. 29 ans pour Bakary Diabira, 24 pour Gaëtan Ntamwe. Aujourd'hui, numéro 1 en équipe de France, qui doit confirmer ce statut. Ntamwe est quand même meilleur défensivement. Bakary se jette trop, il n'a pas moyen de défense et il prend beaucoup de coups quand même, Bakary. On peut voir dans les regards, les deux sont très très concentrés. Bakary qui a peut-être plus d'expérience. Ouais. La droite de Gaëtan Ntamwe. Et dans ces catégories, les coups sont très très lourds. Allez, bon jab de Bakary. Très précis, très saignant. Il avait un temps pensé à raccrocher Bakary, parce qu'il sera père dans maintenant moins d'un mois pour la première fois. Ça change aussi de vie, hein. Bien sûr. Je sais pas, je suis pas encore là, mais je pense qu'Ali le dirait bien. Et on l'a vu tout à l'heure, Bakary Diabira,
avec ce petit sourire comme un enfant juste avant d'aller jouer à un jeu vidéo. Ce plaisir de retrouver le ring alors que ça a été dur pour Bakary Diabira. Il a été battu en demi-finale des championnats d'Île-de-France, rendez-vous compte, pour un garçon de sa stature, de son palmarès. C'est un affront énorme qu'il a su laver. C'est là où il faut se rendre compte aussi de la mentalité du boxeur, c'est-à-dire qu'il a su revenir aussi et se remettre vite en question. C'est un combattant, mais après sa demi-finale, je ne vais pas faire le chauvin, mais c'est clair qu'avec Ambroise Pereira qui vient du BAM l'héritage, ça a été aussi très compliqué. On aurait pu donner la décision à Ambroise. Ouais, attention à cette droite là, ce petit manque d'attention de la part de Bakary Diabira. Attention à ça. Ouais, ça fait plusieurs droites qui arrivent au menton. Oh, deux fois. Oh, la belle histoire. Oh. Pourrait se terminer très violemment, très brutalement. Les coups sont de plus en plus précis pour Ntamboué. J'ai envie de l'arrêter. Première finale d'un championnat de France. Attention. À 24 ans pour Gaëtan Ntamboué. Le crochet gauche à nouveau. Oh. Quelle résistance. Quel combat dur. Oh. Un combat dur qui... Et il ne recule pas, Bakary, certainement pas. Ce n'est pas dans sa mentalité. Il a piqué au menton. L'a-t-il vu? L'a-t-il compris? Il a été touché, attention. Oh, il est dans la boîte encore, Ntamboué. Heureusement, quelle première reprise, messieurs. Pas de route d'observation. On l'avait annoncé, on l'avait dit. Ring, retrait. Souffle, c'est bien. Tu touches, retrait. Et après, tu prends ta position. Ça va? Des axes. Ouh, tu écoutes? C'est des axes un peu pour y aller. Provoque. Dès qu'il attaque, boum, tu fais ton enchaînement. Allez, sur de l'axe par rapport à lui et bloque les coups. Je touche un petit retrait pour se couper. Je contre-attaque derrière. Laisse-moi sur tes coups. Bakary a une capacité d'encaissement aussi. Allez, qui est impressionnant. À chaque fois qu'il prend un coup de plein fouet, il bronche pas. On a vu par contre que Ntamboué, quand il a pris sa droite, il a sa jambe a swingé un peu. Ouais, longtemps l'incontestable numéro 1 en équipe de France, Bakary Diabira. Il a des choses à prouver. Prouver qu'il peut encore apporter des choses à cette équipe de France. Et on sait qu'au fond de lui, il y a encore cette petite flamme, ce petit rêve d'aller aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il avait commencé la boxe. Faut pas que Yuri reste à ce jeu-là, c'est-à-dire à toi, à moi. C'est vrai que Bakary est en caisse. Et l'expérience est indéniablement du côté de Bakary Diabira. Il a imposé son travail physique et technique dès le départ, dès le début de la première reprise. Et là, sur cette deuxième reprise, c'est lui le premier en action, corps face. Et il lui a fait mal, il l'a usé. Je pense qu'il a usé aussi. Après, comme je disais, Yuri, peut-être il a encore ce petit manque d'expérience, mais c'est vrai que depuis, on l'a connu exactement l'année dernière, contre justement Julio La Cruz. Donc aujourd'hui, ouais, il sortait un petit peu nulle part. Hein. C'est ça. Donc aujourd'hui, il est en finale et il a tout approuvé aussi. Et on rappelle qu'il y a 5 ans, ce garçon n'avait pas encore mis une paire de gants. Et donc le retrouver à ce niveau, c'est quand même exceptionnel. Il est titulaire de cette équipe de France aussi. Ouais, la droite là qui est touchée. Sur son orgueil. Il est très courageux maintenant. On va voir comment Bakary va finir cette deuxième reprise. Et là, Yuri, c'est la marche en avant et il lâche rien. Corps fort, oh, beau retrait. Alors, Yuri, c'est le surnom de Gaëtan Ntamboué. Qu'est-ce que c'est dur, vraiment. Les deux nous livrent là. Et Gaëtan, il écoute les consignes de Mohamed Nishan et c'est vrai qu'une fois qu'il fait ce retrait après sa première action, il trouve la solution. Et ça fait longtemps qu'ils avaient envie d'en découdre. Ils n'avaient jamais mis les gants ensemble, ces deux garçons. Parce que depuis longtemps, chacun sait au fond de lui que ce jour allait arriver. Et c'est arrivé, c'est là, c'est maintenant. Ah, Gaëtan finit plus fort. Hein. Le retrait fait la différence. Hein. Retrait, remise. Et je peux vous dire, au bord de ring, on entend le bruit des coups, les impacts.
Oh, le crochet gauche, mais comment peut-il encaisser ça? Regardez, c'est une machine, Bakary Diabira. Et ce qui fait super bon, là, c'est qu'il prend le coup et il remet 2-3 coups derrière. Ah, c'est cette capacité à encaisser, elle est énorme de chez Bakary. Mais Gaëtan, il a bien écouté les consignes et ce petit retrait, il a vraiment fait la différence dans ce second round. Oh, la droite à nouveau. Et le coin s'est levé. C'est dur, attention à ces dernières secondes qui peuvent être si dures, si brutales quand on n'a plus la lucidité pour lever les mains. Oh, la droite à nouveau. Et là, il est en train de prendre la mesure de ce combat, Gaëtan et Tambour. Quelle finale, messieurs! C'est vraiment incroyable ce à quoi on assiste. Tu prends des poignetés parce que t'as les mains là-bas. Et tu vas pas me chercher, tu me mets pas ton crochet gauche là. Après cette droite, pourquoi tu mets pas le crochet gauche là? Allez, respire. Tu sais quoi? Là, il faut faire la différence là. Sinon, on prend là dans le cul. Ok? Respire fort. Les coups que tu prends, c'est parce que tu baisses la main, mon pote. Le direct du gauche, ça passe bien. Mais pourquoi tu enchaînes pas droite, gauche et gauche? Respire. Si tu gagnes pas celle là, on l'a dans le cul. Tu veux cette ceinture-là? C'est là, mon pote. C'est là. Pourquoi tu ne mets pas ton crochet gauche? Il le fera. C'est là, sinon on l'a dans le cul. Et il reste 3 minutes de combat. Allez, troisième et dernier round. Il va falloir trouver des ressources insoupçonnées pour Bakary Diabira. A bientôt 30 ans maintenant pour prouver qu'il peut encore apporter à cette équipe de France, qu'il est encore le numéro 1 dans sa catégorie. Et quel combat! Il a pris des coups, Bakary Diabira. Il a donné aussi. Oh! Premier round Bakary, deuxième round Gaëtan. Pour moi aussi. Et là ça reste. Oh, attention à la tête. Et le sursaut d'orgueil. Il y a tellement d'expérience, tellement de vécu pour Bakary Diabira. Toutes ces années. Même si après près d'une décennie sur les rings, il avait paru un petit peu usé, un petit peu fatigué, mentalement et physiquement. La boxe internationale olympique, ça use mentalement et physiquement. Et il faut être fort mentalement. Et puis Bakary a su revenir aujourd'hui, il le prouve. Lui qui avait été battu en demi-finale des championnats d'Île-de-France, rendez-vous compte. Le niveau, les ressources qu'il a fallu trouver pour revenir. Gaëtan, il finit bien avec l'aisance technique, les déplacements, mais il n'y a pas beaucoup de précision. Ils sont fatigués ces deux hommes. Ils ont livré un beau combat pour l'instant. Parce que le rythme a été vraiment exceptionnel. Voilà, ils sont cuits. Et chacun a pris beaucoup de coups. Et on s'accroche, on cherche à récupérer. Le souffle est court de chaque côté. Et c'est maintenant que ce titre va se décerner dans cette dernière minute. Oh, belle droite, no cross de Gaëtan. La dernière minute. Ah, belle droite là de Bakary. C'est à toi, à moi. On va se finir comme ça. On va se finir comme ça, à toi, à moi. Celui qui sera le plus précis là. Ah, ils sont fatigués. Ils sont usés physiquement, ces deux garçons. Après trois rounds d'un mano à mano brutal, spectaculaire et à la hauteur des attentes. Ah, la catégorie des mi-lourds, c'est une belle catégorie, c'est des garçons puissants, c'est des garçons rapides. C'est spectaculaire à voir. Et puis la conscience, la lucidité. Oh! Et dernière droite pour Gaëtan Ntamboué. Et là, franchement, la décision, messieurs, ne va tenir qu'à un fil. C'est clair que la décision va être très difficile. Nous n'aimerions pas être juges à cet instant précis. Et c'est pour ça que nous allons simplement nous taire.
et célébrer ces deux garçons qui nous ont offert un spectacle magnifique. Le dernier round, Bakary a été plus entreprenant, c'est lui qui a mis la pression, qui a peut-être touché un peu plus, mais c'est vrai que ça a été brouillon, il y a eu un manque de lucidité de part des autres. Ça va être très compliqué à donner une décision. Allez, la décision. Et on ne serait pas surpris qu'elle soit partagée et très très serrée. Au combat. Mesdames, Messieurs, le pointage des juges, c'est une décision unanime et donc déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des 5 juges. Et sacré champion de France 2019 des poids mi-lourds, Gaëtan Ntamboué. Allez, monsieur le maire, maire de Blanchet, maire de Rochefort. Messieurs Bakary, restez avec nous parce que j'ai envie de vous entendre. D'abord un petit mot pour vous, Gaëtan. Incroyable duel de génération, passation de pouvoir. Ce soir, votre combat, vous l'attendiez, il est réussi. Ouais, c'est Bakary, c'est comme un modèle pour moi. Depuis que j'ai commencé la boxe, je le voyais toujours au top niveau. Et de le boxer, je voulais jouer le boxer. Et le boxer est gagné pour moi, c'est... Je suis content. Pas content de mon combat, mais la victoire, elle est là, c'est le principal. Bakary, j'imagine qu'il y a beaucoup d'amertume. C'était votre 6e finale, mais quel courage de revenir après toutes ces années. Je pense que vous pouvez être fier. Bien sûr, je suis très très fier du parcours que j'ai fait. C'est vrai que j'ai eu une très très courte préparation. Hein, je me suis pris vraiment 2 semaines avant les championnats de France. Je suis quand même fier de mon parcours. Et je tiens à féliciter tout de même Gaëtan Ntamboué, qui a fait un très beau combat et qui représente fièrement la franchise des Fighting Roosters aujourd'hui. Messieurs, je voudrais simplement vous féliciter de ce moment de sportivité et du combat que vous nous avez offert. C'est bien, bravo. Ouais, merci à vous, merci à Bakary. Tous mes respects. Bravo, je suis content pour toi, c'est bien, t'as eu la ceinture, c'est bien. Merci messieurs. Allez, voyez, très, très joli de la part de la